Hello les copains et les copines, bonjour les copains et les copines, alors... Bonjour les copains et les copines, alors je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo, enfin pour un tout nouveau court-métrage, en compagnie de Negri, de Killer, de Léo, de Léan, et de Bido, voilà. Ouais, en compagnie, en compagnie de t'as pas dit Negri, t'as pas dit To. Et en compagnie de moi, Nat. Bon, allez, pour on se retrouve en compagnie de Nigrito, Killerk, Leandro. Attends, on se retrouve avec Ellie, Killerk, Konoha, Léo et Wolverine. Ouais. Et Nathan et Bidoche. Non, en fait, moi, ça me va bien, Ellie, parce que Ellie, c'est mon vrai nom. Ouais, mais je préfère t'appeler Nigrito. Du coup, je vous mute, arrête de danser. Ah non, ok, je croyais que tu dansais. Bon, je vous mute tous et les copains et copines, bon visionnage. Oh non, il m'a vu. John, tu as rien vu, d'accord. J'ai pris le corps de Reed, la femme de Vendetta. Et aussi, celle-là que t'as pris, tu l'avais pris pour chasser. Eh ben, j'ai pris son corps. C'est moi. Là, je suis dans le dans son corps. Comment t'es moche? Regarde-toi dans un miroir. Attends, tiens. Je sais, non, je sais à quoi je ressemble. Mais ce corps me va bien. J'ai fait ça pour te réduire en miettes, John. Et tous les autres habitants de cette île. Je vais détruire ce monde. Je crois pas que toi aussi t'as la pièce de Midas. T'inquiète pas. Je sais tout sur vous. Je sais tout sur vous. Bah d'ailleurs, il y avait un cadeau que j'avais trouvé par terre. Un cadeau vide. C'est incroyable, non? Je vais te re-téléporter, John. Non, ma puissance n'est pas assez. J'ai utilisé toute ma puissance. J'ai une idée. Je vais faire croire que je suis vive et que en fait j'ai acheté enfin le démon galactique du coup moi. Bonjour les amis, c'est moi Riz, mais c'est juste qu'il y a le démon galaxie qui m'a transformé en galaxie, regardez. Oh là, ok. Ok, on l'a poursuit tout à l'heure et il nous a défoncé. Allez, mains en l'air. Déjà ton odeur, il rappelle très parce que de 1, j'ai entendu qu'est-ce que tu disais dans la voiture. Mais non, c'est le démon galaxie qui me disait ça. Mets-toi des habits déjà. S'il vous plaît, regardez-moi les amis. Monte dans la voiture. Le démon galaxie, il a dit qu'il va me faire perdre. 3 secondes, on va faire une petite conversation. 3 secondes, on va faire une petite conversation. Vas-y, rentre. Tu crois. Ok, bon, d'accord. Il va me démarquer le truc. Bon, d'accord. Tu veux sortir de ce corps, Riz? Je sais que c'est toi, démon. C'est moi. Tire le dessus. Je suis invincible. John, t'as enlevé tes vêtements, on dirait. Je rigole, c'est moi. Quand tu t'es fait réapparaître, j'ai fait enlever tous tes vêtements. Il croit que c'est dégueulasse. Mais t'es vraiment un pervers, toi. C'est un gros pervers, les gars. Faut le tuer. C'est un gros pervers à l'attaque. Arrête-toi, là.
Et les gars, je le fais ou pas? Vous voulez de la bagarre? Vous en aurez. Oui, on veut très bien la bagarre. Tenez là, je vais faire un truc. Ok, on va dire, je te contrôle, killer. Mister Banane, je te contrôle. Oh, maintenant, tu es dans mon équipe. Va tuer Gatom. Ok. Ah non, en fait, va pas tuer John. Il est juste là. Je te contrôle. Ah, oh, il y a un truc qui m'a empêché de te contrôler. Comment est-ce possible? T'as pas assez puissant. T'as pas assez puissant si t'as pas compris. Mister Banane, tue-le. Oh, okay. Quel stupide. Gatom, je te contrôle. On va dire, là, je te contrôle. Ah. Oh non. Maintenant, tu es John, tous les deux. Vous n'avez pas compris ou quoi? John, je te contrôle. C'est impossible. T'as toujours pas compris. Laisse-moi faire. Puissant. J'ai des alliés qui vont le tuer. Ok. J'ai réussi à manger leur ditode. Non, je vais te recontrôler. Je te recontrôle, on va dire. On va dire, là, je te recontrôle pour l'infini. Je te recontrôle. Là, je t'ai touché. Aïe, j'ai mal à ma tête. Il m'en manque un seul qui est antidote. John, entre nous deux maintenant, on dirait bien. Gatom, qu'est-ce qui se passe? Impossible de me tuer. Hey, Gatom. Ah ouais, impossible de te tuer. T'es pas contrôlé. Ok, très bien. Téléportation. Ouais, je suis pas contrôlé. Antidote. Aïe, c'est bon. Il faut me toucher pour me contrôler. Je suis beaucoup trop rapide. Ça me fait rien. Je suis une banane. Tout, et moi, ouais. Je suis un gâteau. Oui, mais ça marche avec tout. Ouais. Bon, juste, ça commence à être énervant de me tirer dessus. Vous comprenez pas que je suis invincible? Non, mais en tant que champion, faut que je prenne un pistolet ultra. Il peut détruire tous les démons. C'est grâce à ça que John m'a lancé. John. T'inquiète, je suis là. Ah, si j'utilise mon pistolet qui élimine tous les démons. Ça sert à rien. Tu vas gaspiller toute ta puissance. Faut que j'essaye. Prends-toi le pistolet ultra anti-démon. Non, sors pas de chez moi. Sors de chez moi de suite. Il faudrait déjà me toucher. Ok, si comment tu veux. Ah, le roi de Fortuna qui peut me tuer. Et bah non, pistolet anti-démon. Tu connais ça. Essaye, c'est que le roi de faire cinéma. C'est ça, tu sais, il est à qui ce pistolet? Vas-y, tire-moi c'est dessus, je m'en fiche de ton histoire. Il est au roi de faire cinéma, ce pistolet. Oui, mais... C'est... Mais même les pistolets... Il m'a dit ton point faible, espèce d'abruti. Vas-y, tire-moi dessus, c'est bête. C'est bataillé. Tire-moi dessus. C'est ta boule. Faut que je prends ta boule. Bon, toi tu m'énerves, tu veux me tuer, hein. Alors qu'on n'a pas le droit dans la sortie de te tuer, t'es bête ou quoi? Non mais sérieusement, la réalité t'as pas dit qu'il fallait pas tuer dans les forces cinéma. Allez, chier. Call bloqué. Hey, viens. Allez, voilà, au moins, il va plus m'énerver. Ah, ça arrive qu'un. Bon, à vous maintenant. Tiens. Ils sont bêtes, hein. Bon, au lieu de parler moi-même, Gatom. Si tu veux pas que je te contrôle, alors. Pourquoi je me barre, il va me toucher. Non. Je contrôle ta voiture, Gatom. Je contrôle ta voiture, Gatom. Non. Ouais. Non, je la contrôle. Non. Je contrôle ta voiture, Mister Banane. Je t'ai bien touché là. Salut. Munition. Non.
J'entends plus d'essence, c'est un coup. Si elle me touche, je suis vraiment foutu. T'es touché. Gatom, tu meurs. Non mais je t'ai touché là. Antidote. Y a pas d'antidote. Y a pas d'antidote. Oh là là. Ah, je suis contrôlé. Bon, toi, Mister Banane, je vais te tuer. Mais pas le temps, parce qu'il y a l'autre débile qui est revenu. Ok. Je vais porter pour pas que tu me retrouves. Tu perds ton temps, là. Vraiment, tu perds ton temps. Je vais pas attendre toute la journée, hein. Wow! Il me tire des balles de pistolet du roi de ce là. Ça me fait mal. Dans le mille. Hop. Allez, prends-toi ça dans la tête. Non mais j'ai fait exprès, c'est moi qui ai inventé ça. Tu peux arrêter de claquer des... Ah mince. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ouf. Voilà, c'est bon. Tu m'entends là? C'est vraiment trop bon. Je sais pas comment t'as tué Mister Banane, mais waouh, t'es super fort. Je l'ai même pas tué. Et maintenant tu vas tuer Gatom, c'est ça? Ben, regarde qu'est-ce que j'ai dans mon dos. Je vais pas me saigner. Impossible, je me suis mis un truc sur le dos. Non mais c'est pas possible, non mais déjà ton truc, eh ben je peux le briser en mille morceaux, alors... Vas-y, fais-le. Non, sinon tu vas pas renicher quand même, petit bébé. Mais fais-le. Parce que tu peux pas le faire, hein. Espèce de mais je peux le faire. T'es vraiment tout nu. Mais pourquoi tu te mets tout nu? Mais les galaxies, quand on est comme ça, bah en fait les galaxies peuvent pas mettre de vêtements, et là je suis pas tout nu. Je suis recouvert de galaxies. Je suis recouvert de galaxies. C'est un vêtement pour les galaxies, en fait. C'est un autre corps. Bon. Tu vas mourir, John. Oh mon Dieu, j'ai peur. Oh mon Dieu, j'ai peur. Non, mais t'arrêtes, en fait. Parce que toi... J'ai hâte de mourir. J'ai hâte de mourir. T'as la chance que je ne veux pas te mettre de coups. Mais quand on se reverra... Je t'en mets. Mais oui. Reviens, tu vas voir. Tiens. Pour aller plus vite. Bon, moi, je vais rentrer chez moi. Je vais aller là-bas. Je vais parler un petit peu avec. Je vois à travers les murs, tu sais. Je vous laisse tranquille. À un seul moyen que vous me fichez la paix. Non. Mais tu peux arrêter. Non mais sérieux. C'est pas une blague. Alors qu'on est pas. Je commence à m'énerver, tu sais. Et mais t'as fait quoi? Je fais une photo. Oh là là, je vais enfin trouver mon fils. On doit être seul, Iris, pour qu'on se parle. Bon, t'as envie que je libère ton ami Iris ou pas? Oui. Ben alors, fiche-moi la paix, je vais la libérer. Je dois la libérer seule.
Sinon, ça va pas marcher. Oh, c'est quoi qui me chatouille là? Ok, c'est bon, je vais jeter dans le sable. J'ai une puce, une espèce de puce. En tout, j'en ai jeté 5 des puces. Oh, mais il y a trop de trucs. Voilà. Eh, hey, salut, j'ai tout jeté. Ah non, il en reste un. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Voilà. Toutes les balles, c'était des puces. Bon. Oh, mais c'est pas possible. C'est bon, je me suis débarrassé de toutes les puces. Bon. J'ai un truc à te dire. À moi? Toi, je marque du toit. Oh, j'ai pas dit à toi. J'ai dit arrive. Attends, je vais la libérer. Si personne me suit. Bon. Vous voulez que je libère votre ami Riz ou pas là? Du truc que je t'ai appris. Là. Oui. Est-ce que tu l'as appris la dernière fois? Ça? Oui, ça. Bien sûr, je la connais. Bon, Riz, Riz, parle. Riz. Riz, parle. Ouais. L'intro, là, c'est à toi de parler. Fais la voix, Riz. Riz. Oui, allô. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est moi, le démon et le démon Galaxy. Ton corps est super. D'ailleurs, là, je suis en train de casser le BC de du Mandalorien. Ça ne dérange pas, le père. Pourquoi tu fais ça? Parce que je suis méchant après tout. D'ailleurs, sûrement le nouveau méchant du chapitre 7. Ça, on ne sait pas encore. Mais on le saura bientôt. Si t'as envie que je te relâche, faut que tu dises à tes amis d'arrêter de me suivre. Il faut pas lui suivre, il faut pas le suivre. Je sais qu'est-ce que je fais, je connais la technique traditionnelle pour enlever les corps. Oh, et en fait, ton ami, dis-lui qu'il n'y a aucune technique pour enlever les corps. Hein. C'est moi-même qui dois enlever. Il n'y a aucune technique pour enlever les corps, ça sert à rien. Il n'y a que moi qui le connais et mon père, donc c'est... Ils sont bêtes, il n'y a aucune technique. Encore des puces, ça te gratte, hein. Encore des puces, ça te gratte, hein. Ça dégratte, hein. J'ai dit, ça me transperce. Pas, parce qu'il en a plein des buts sur toi, si tu les vois. Ça a transpercé, j'en ai aucune. Bon, Riz, dis à tes amis d'arrêter de me tirer dessus, parce que... Il faut pas lui tirer dessus, hein. Sinon, bon, t'es pour lui ou quoi? Sinon, je te tue immédiatement, et en plus, eh ben, je vais exploser la map s'il continue. Si vous continuez à lui tirer... Si vous lui continuez à tirer dessus, eh ben, il va vous tuer et il va faire exploser toute la map. Ah ben, vas-y, dis-là d'essayer. Bon, Riz, je vais... comme tes amis, ils veulent que je te tue, je vais te tuer. Pas de problème. Eh, vous l'aurez voulu. Tu vas mourir. C'est bon, je t'ai tué. Il faut encore plus. Oh, t'as vu, j'utilise toute ma puissance. Je t'avais tué. C'est bon, je t'ai tué. Non. Voilà, j'ai tué votre ami, pente de noob. Saute. Maintenant, on n'a plus rien à perdre. Ouais, on n'a plus rien. Dans tous les cas, elle ne nous servait pas à grand chose de tout le temps nous critiquer. Elle disait tout le temps face de pancakes. Maintenant, toi, tu sais tout. Ah oui, gâteau, regarde, j'ai volé un bon paquet de pancakes. Tête de pancakes, pourquoi? Parce que t'as une tête de pancakes. Prochaine fois que vous me disiez ça. Attendez, il y a quelqu'un qui m'appelle. Allô? J'ai des trucs.
Oh, c'est moi, rapace. Ok. C'est moi, démon galaxie. Tu te rappelles quand je t'avais contrôlé, quand je t'avais contrôlé, oui, enfin, quand je t'avais transformé en démon. T'es encore un démon. Oui. Ok. Du coup, t'es encore dans mon équipe. Oui. Attends. Équipe combien? Non, mais est-ce que t'es encore avec moi? C'est-à-dire dans mon équipe. Est-ce que t'es équipe une. Et viens tuer le père de Gatom, s'il te plaît. J'arrive. Vous êtes où? Où es-tu? Oh, va à Steam Stack. Je vais à Steam Stack, moi. Au pire, viens là où je suis. Je te vois. Ok, bon. Il faut j'arrive. Non, laisse ce rapace le carton. C'est mon allié. C'est mon allié. Je l'ai transformé en démon pour qu'il me tue. Et tout moi. Ah, c'est ce rapace. Qu'est-ce qu'il fait ici, ce rapace? Bon, laissez-le. On va le laisser, on va la suivre. Je te faisais mal. Adieu, grand-père. Attends, galaxie. Je vais utiliser ma force que tu m'as donnée. Toi aussi, tu maîtrises la foudre. Oui, ok. Le combat. Oui. Tellement bien les combats. Vas-y, personne ne peut me faire. Prends-toi ça dans les pieds. Je dois partir. Bon, moi je dois aller chez mon fils Gatom. Je reviens. Ne me tirez pas dessus. Tu es malade. Hey, qui es-tu, toi? Qu'est-ce Laisse-le. Oh, encore du gars. Qui? Bah non, toujours pas. Ah! Prends-toi ça! Aidez-moi! Ah non! Il est mort! Yes! Prends-toi Glacia! Galaxia! Galaxie, c'est éclaireuse galaxie! Éclaireuse galaxie! Non, c'est pas moi éclaireuse galaxie, je m'appelle juste galaxie. J'ai juste pris le corps d'une fille. Je savais, je me disais déjà que tu n'étais pas le gars, c'est vrai. Paralysation glaciale. Maintenant tu vas rester faire cette petite barre. Ça va cible. Je sens rien. Ah, paralysation. Non, je sens rien. Quand on va arriver à Timista, t'as pas avoir. Essaye de me tuer. Juste après. Attends. Tiens, pas de court métrage. Alors, je voulais vous dire que après, je vais faire un truc. Après, je vais faire un truc incroyable. Je vais sortir tout à l'heure le trailer de Force Cinéma chapitre 7 parce qu'on se rapproche du 25e épisode. On est à l'épisode 13. Là, c'est l'épisode 13. Et on se rapproche de l'épisode 25. Du coup, je vais faire le trailer de Force Cinéma chapitre 7. Et je vous dis le méchant principal. Et ben, ça sera l'un des galaxies. Oui, l'un des galaxies. Je vous dis juste un parce qu'il y en aura plusieurs personnages principaux. Il y en aura deux ou trois. Le premier personnage principal du chapitre 16, vous le savez, c'est Galaxy, le film que j'ai. Enfin, c'est pas Éclairant Galaxy, mais c'est Galaxy. Voilà, ça sera lui le premier personnage principal. Après, je vais pas vous en dire plus sur les autres personnages principaux. Je me barre. Et les copains et copines, personne ne va pouvoir m'arrêter. Vas-y, essaye de me tuer déjà. Je veux pas jouer avec moi. Oh, c'est un poteur. Je vais prendre l'énergie du cube pour détruire ce monde.
Allô, Nathan, Nathan. Ouais, qu'est-ce qu'il y a le père de Gatton? Aïe! Est-ce que Éclaireuse Galaxie, est-ce que Galaxie sera vraiment le personnage principal du chapitre 7? Oui, il y en aura deux ou trois. Il y en aura deux ou trois, et le premier, c'est Galaxie. Ok. Galaxie. Je ne parle pas trop français. Galaxie. De l'Angleterre. Bref. Civilisation glaciale! Tuez-le! Ça peut rien faire. Vite! Vous allez le voir, essayez de me tuer. Téléportation. Non, il s'est téléporté ce début. Téléportation. À suivre.